Allô à mes Vainé et Vainéo, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très très spéciale et j'avais trop trop hâte parce que ça fait longtemps qu'on a ce projet avec Laurie. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui c'est un swap et pas n'importe quel swap. En fait, vous savez que pendant les Vlogmas, j'ai essayé d'inviter sur la chaîne un maximum de copines et copains youtubeurs pour les mettre en avant, parler d'eux, parce que je les porte tout simplement dans mon cœur et qui méritent plus de visibilité, je vous dirai. Du coup, Laurie, à qui j'ai proposé ce swap-là, j'avais pas eu l'occasion pendant les Vlogmas d'intégrer un contenu avec elle. Je m'étais sentie un peu mal et du coup, je lui ai proposé, des mois, un swap très particulier sous le thème de l'été, mais surtout les 10 indispensables selon nous pour cet été. Le but de ce swap, ce n'est pas un de dépenser des 1000 et des 100, parce que nos budgets à toutes les deux ainsi qu'à nous tous, bah, c'est pas trop ça en ce moment, hein. Donc on s'est dit qu'on allait piocher dans nos backups respectifs, et Dieu sait qu'on a des énormes backups, et surtout faire plaisir à l'autre. Pour parler de Laurie, pas Laura, hein, Laurie, c'est une Vainée. Pourquoi je dis que c'est une Vainée? C'est parce que cette coquine, il y a plusieurs mois maintenant, s'est abonnée à ma chaîne très gentiment, et je voyais qu'elle commentait tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans jamais, jamais, jamais me dire qu'elle avait une chaîne YouTube. Et en fait, c'est moi, en voyant sa petite tête, vous savez, dans les commentaires, je peux voir votre tête, votre pseudo, je me suis dit, tiens, ça c'est une tête de youtubeuse, enfin de youtubeuse, c'est la tête de quelqu'un qui a une chaîne YouTube. Cette cachotière a bien une chaîne YouTube, autant vous dire que je l'ai engueulée. Bah ouais, parce que je me suis sentie con d'avoir une vainée qui me dise pas, bah tiens, j'ai une chaîne YouTube, etc. Et je sais que c'est pas facile à placer, mais en tout cas, du moment que j'ai su qu'elle avait une chaîne YouTube, j'ai pas arrêté de la suivre. Donc Laurie, cette très douce Laurie, propose sur sa chaîne YouTube des unboxings de box beauté, box gustative aussi, box le boudoir. Donc il y a aussi de la déco, lifestyle, une super vidéo produit terminé. Elle unboxe également des calendriers de l'Avent en fin d'année. Et depuis peu, elle a sorti un super concept, organisation de budget. Je crois que c'est une enveloppe budget où elle vous présente comment faire des économies, budgéter en fait votre mois par rapport à vos dépenses, notamment beauté par exemple. C'est atypique, c'est original et j'aime beaucoup. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Laurie, ben, sa chaîne est en barre d'infos, bien sûr. Elle a également fait très récemment une FAQ, donc n'hésitez pas également à aller voir cette vidéo aussi où elle se présente. Ça vous permet de mieux la connaître et ça vaut le détour, croyez-moi. Et puis, du coup, moi aussi, hein, je lui ai envoyé mes 10 indispensables de l'été. Donc, sa vidéo sera également en barre d'infos. Comme ça, si vous êtes un peu curieuse de savoir ce que je lui ai envoyé, tout simplement, allez-y gaiement. On va pouvoir passer à l'énorme unboxing. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu m'as fait, Laurie? Dans un colis comme ça, alors je vais faire super attention par rapport à son adresse, mon adresse. Ça m'est arrivé plein de fois de devoir flouter au dernier moment les infos perso. Alors moi j'ai pas d'imprimante couleur, du coup je lui ai dit bah, ton mot il sera en noir et blanc, mais essaie de deviner les couleurs qu'il y avait à la base. Bref, elle a fait les choses trop bien. Elle est très méticuleuse, elle a de l'or entre les doigts, elle est très manuelle, créative. Il y a tellement de synonymes pour la décrire. Du coup là, elle m'a plastifié carrément le mot et le menu avec, avec quelque chose qui la correspond, c'est-à-dire ces fleurs-là. Vous voyez, des roses, des pivoines. Moi, quand je pense à Laurie, c'est ces fleurs-là que je vois effectivement. Petit mot. Malora, un prénom presque identique. Ouais. Une date de naissance presque similaire. Mince, oui, t'es née en novembre. Quel jour encore? Moi, c'est le 22 et toi, c'est le. Oh, désolée, Laurie. 10 ans d'écart. Merci. Hein, ça. Prends-toi une claque. Hein, 10 ans, sérieux. Donc, t'es née en 96. Ça me rajeunit pas tout ça. En 96, j'étais en train de danser sur les Spice Girls. Hein. Une même passion pour le make-up et la beauté. On était faites pour se rencontrer. Je confirme, vraiment.
Merci de m'avoir choisi pour faire ce swap avec toi. Bon, c'est moi qui te remercie de l'avoir accepté. Ah, j'ai des frissons alors qu'il fait chaud. J'espère que tout te plaira. Non, mais ça, c'est sûr. Parce que tout est fait avec le cœur. Donc, ta ratatouille. N'hésite pas à me faire un retour sur les différents produits dès que tu les auras essayés. Allô, retour sur les box, retour sur les swaps. Hein, c'est ma marque de fabrique, Laurie. Tu es une très belle personne et je suis ravie de connaître quelqu'un comme toi. Tu es cette grande sœur que je n'ai jamais eu la chance d'avoir. Merci d'être qui tu es. Merci d'être toi avec tout mon amour. Des milliards de bisous tout doux, Laurie. Je suis tellement contente d'être la grande sœur de tellement de copines youtubeuses. Tout ça parce que je suis vieille. Non. J'accepte le rôle de grande sœur. Ça me touche énormément. Moi, j'ai que des frères. Et ben, je suis contente d'avoir plein de petites sœurs. Ce que tu viens de me dire là me touche. Énormément, mais ça, je pense que tu t'en doutais. Alors, le menu. Alors, à la base, il y avait plus de produits, mais j'avais pensé aux 10 indispensables. Bien évidemment, je lui ai mis plus de produits, c'est-à-dire qu'il y a 10 paquets, mais plusieurs produits dans les paquets. Je lui ai dit un petit peu au dernier moment qu'on préparait le swap, et je me sens un peu nulle, quoi, parce que, bref, elle a dû un peu réarranger le truc, et je m'en excuse. Swap spécial été. Numéro 1, pour que tes cheveux brillent de mille feux. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est bien emballé? Je vais essayer de vous montrer. Oh, c'est trop lourd. Voilà comment c'est emballé. Popeye est de retour. Quelques goodies en plus, ça c'est à la fin. Donc ça, je pense l'unboxer después. C'est magnifique ce sac. Numéro 1, regardez-moi ça. Bon, je vous le montre qu'une fois, hein, le paquet cadeau, avec le 1 comme ça. Elle fait tout dans les détails, les rubans. Laurie, Laurie, Laurie. Grâce à elle, je vais réutiliser ces rubans pour ben, mes cadeaux de Noël, etc. Faut rien jeter, vous savez. Et Laurie et moi, on est dans cette même optique. Pour ça, ce swap, vous allez comprendre, c'est vraiment un petit gaspillage. Ça sert à rien de faire des swaps à 500 boules et que les produits restent dans les placards. Nous, on a vraiment ciblé des choses qui vont être utilisées cet été et par la suite. Hein. J'ai le droit de déchirer. Ça a l'air d'être un spray. Ouais. Il faut savoir que Laurie est très très portée sur tout ce qui est bio, naturel, cosmo-organique. Et ça, j'adore ça chez elle. Elle unboxe d'ailleurs, bon, la nuit au box, il me semble, belle au naturel. C'est un aspect de ses unboxings, de sa personnalité que j'apprécie peut-être le plus, quoi. Ah! Je crois que j'ai déjà reçu un produit de cette marque, c'est René Furterer, rituel solaire, fluide d'été protecteur, cheveux explosés au soleil. Nickel, 100 ml. T'es trop forte. Je sais pas si vous connaissez. Hop, tignasse. Ah ouais, ça sent l'été. Oh, génial. Oh, t'as visé dans le mille. Dans le mille du mille du mille. Pour que ton joli minois soit hydraté grâce à moi. Oh, c'est trop mignon. Est-ce que t'as mis minois parce que je le dis de temps en temps en vidéo? Je sais pas. C'est une idée. C'est énorme. Number 2. Plusieurs produits. Hein. Mais moi aussi, je t'ai mis plusieurs produits. Je connais pas. Oh, mais tu m'as mis tout ça. Je crois que je te l'ai mis. Ce masque Garnier. Et en plus, je me suis dit, bon, je vais lui mettre le mien et je vais m'en racheter un. Ben non, j'ai pas besoin. Donc c'est celui-ci à la grenade. Le Hydra Bombe pour déshydrater, ouais, et vitamine C. T'es au top. T'es au top du top du top. En plus, c'est une formule vegan. Ça m'étonne pas de toi. Et alors, ici, c'est de la marque Atida. Je ne connais pas du tout. Oh, merci de me faire découvrir autant de marques. Silky smooth, lightweight texture. Made for daily life. On a une crème jour, une crème nuit hydratante d'une marque que je connais absolument pas. 50 ml. Là, j'ai pris la Day Cream. Elle est toute légère. Oh, j'aime bien. Ça sent bon. Ça sent le frais. Un petit peu comme. Comment vous dire? L'aloe vera. Ce style-là, vous savez. Ça pénètre vite. Ça laisse pas un fini gras. Et du coup, j'ai la nuit également. Donc là, je vais bientôt terminer la nuit polaire. Et je vais passer à ça. Génial. Au top. Je suis trop contente. Et les masques et tout. Alors là, moi, une peau bien, bien repulpée, bien hydratée, ça va ensemble. Hein. Si vous hydratez votre peau, elle sera repulpée et rebondie. T'es un amour. Numéro 3, c'est important de les protéger pour continuer à briller. C'est important de les protéger pour continuer à briller. Je sais pas. C'est ça. Oh, les lèvres. Oh, super.
Je savais même pas que ça existait. Hein. Un labello où il y a un SPF dedans pour protéger ses lèvres. Bon, ça va être utilisé Fissa. Je savais même pas. Oh, nickel. Et ici, crème solaire visage 50+, résiste à l'eau, UVA, UVB, UV défense minérale, bio, cosmo-organique de la marque Praia. Je connais pas du tout. Enfin, il me semble pas là de tête. Sans effet blanc, non gras, très haute protection. Alors moi en crème solaire, je t'en ai mis, mais j'ai vraiment galéré à trouver, comme tu le sais, crème solaire, protection des océans. En plus, je connais pas, mais t'es trop forte. Youpi. Oh là là. Oh là là. Tu respectes ce thème, mais à la perfection. Mais quand je dis à la perfection, bravo, bravo Mallory. Merci, merci, merci. Je suis tellement contente d'avoir eu cette idée-là et de t'avoir proposé ce swap que tu réalises avec brio, je dirais. 4. Il faut sentir bon pour écouter le chant des grillons. Il faut sentir bon. Oh, c'est un grand paquet comme ça, toujours avec des rubans. Alors. Je connais pas cette marque, t'es trop forte. Et j'adore les brumes. Je vous ai fait une vidéo il y a pile poil un an sur mes brumes parfumées. Brumes parfumées corps cheveux, Skill Liquid Love, de la marque Jeanne Arthès. Ils sont basés à Grasse, ça promet. C'est comme ça. Oh, non mais là c'est sûr. En plus je me suis pas parfumée. On va en mettre sur le micro. Ça sent trop bon. Youpi! Tout y rentre dans ma collection. Parce que j'ai bientôt fini ma brume Aloha. Note de tête, coco, fraisia. Note de cœur, rose, héliotrope. Note de fond, fève de tonka et ambre. Ça sent divinement bon. Ah, youpi! Ah ouais, mais vous pouvez m'appeler Miss Brume. Brume skincare, brume parfumée, brume. De chez Brume, 365 jours de l'année. C'est mon petit truc à moi, je vous dirais. Ça, il est contour des yeux. 5. Se doucher pour mieux se coucher. Quel jeu de mots. Tu sais que j'adore ça. T'es trop forte. J'arrête pas de dire t'es trop forte. Peut-être le mot caché de ma barre d'infos. Énorme! Mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'est ça qui pèse une tonne en fait. Donc c'est des gels douche. Je pense jamais à acheter cette marque. Pourtant elle me fait de l'œil parce que je crois que sur Inky Beauty ou Yuka, c'est gel douche et cette marque est super bien notée. Arrête, je vais pleurer. T'es trop forte. Non mais là je suis refaite les filles et les garçons. En plus c'est une huile. Peau sèche sensible, je m'en fiche. J'ai pas la peau sèche mais je veux de la coco. Oh trop bien. Et du coup, pour aller avec? Non mais c'est trop bien. Mon œil. Non mais c'est bon là. Alton Brand n'a qu'à aller se rhabiller. Non, je dis ça parce que je l'ai fini là. Oh ouais, non, ça sent comme mon déo Ushuaïa Monoï. Un truc de dingue. En plus, oui, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a scotché tous les bouchons comme ça parce que ce serait con qu'on ait une fuite. Elle va s'amuser dans la vidéo. Oh la pauvre. Oh, non mais c'est bon, là je vais à la douche. Mais tu me gâtes trop. Mais quand je te dis trop, c'est trop. Petit coup de Sandy, parce que j'appelle cet éventail Sandy. Ou Miss Paillette, c'est pareil. D'ailleurs, elle a changé son pseudo. Mille et une paillettes. Donc faut pas que je me trompe. Mais ça lui va tellement bien. J'ai pas envie que ça se termine et à la fois, oh, je suis tellement gâtée. Je suis trop en joie. 6. Le protéger, c'est se garantir de l'apprécier. Le corps? L'esprit? Je sais pas. Je pense que ça, c'est 6, ça c'est 9. Oh, j'ai oublié de lui préciser, moi, 6-9. Je suis vraiment une youtubeuse en mousse. Hein. C'est Hawaiian Tropic. Mais pourquoi tu m'en as mis 2? Tu m'expliques? Un, c'était suffisant. Hein. Ah, c'est peut-être parce que je suis grande, hein, que j'ai un long corps. Donc ici, c'est After Sun, donc c'est l'après-soleil. Beurre corporel après-soleil. Exotic Coconut. Mais je comprends pas pourquoi tu m'en as mis 2, ma chérie. Oh! Je n'ai pas testé... cet après-soleil là, moi c'était un neutre, il était bleu, bleu clair. Je suis super gênée parce que tu m'en as mis 2 quoi. En plus, ils font 200 ml. Dites-moi si vous connaissez cette super marque de solaire. Je suis gênée que tu m'en aies mis 2. Je suis très très contente, mais du coup, moi je t'ai pas mis des trucs en double comme ça. Hein. Ok, bon, t'es super généreuse, hein, Laurie. Numéro 7, les nettoyer et les crémer pour une parfaite santé. Les mains. Numéro 7, franchement, je sais pas. Tu me fais des petites farces comme ça. Hein. Gel hydroalcoolique, merci Andy. Et ils ont une super compo, j'ai appris ça. Chez qui j'ai appris ça? Chez une youtubeuse. Qui c'est que j'ai regardé qui parlait de merci Andy et qui disait que c'était pas dégueu? Merde, je sais plus. Donc je pense que vous connaissez, hein, si vous êtes abonné à Blessim, on en reçoit de temps en temps. Gel main nettoyant scorpion. Bah oui, parce qu'on est scorpion toutes les deux. Et ici.
Cherry, crème pour les mains. Génial. C'est vrai que franchement, tape sur les mains. Je ne fais pas vraiment très attention à mes mains. La crème pour les mains, je vais vous dire, c'est une fois tous les 1000 ans. Depuis que je fais retour sur les box, etc., ben, je m'oblige, entre guillemets, à intégrer ça dans mes routines. Donc, ces deux produits mains, et en plus scorpion. Et dites-moi quel est votre signe astrologique d'ailleurs? Je vous avais déjà demandé, mais là de tête, je ne me rappelle plus. 4300 vaïnés. Je vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai celle au tonka blissime qui est vraiment sur la fin, mais celle-ci après. En plus, c'est la cerise, c'est estival, je trouve. Toujours, toujours besoin. Et en plus, scorpion, donc Bibi, elle est contente. Numéro 8, se rafraîchir pour le plaisir. Est-ce que ce serait une brume d'eau ou un spray fixateur? Je délire peut-être. C'est celui-ci. Me dis pas que si. Alors là, mais tu tombes à pic. Donc là, on est samedi 18 juin et il fait donc 36 degrés là à Paris. Et mon chéri il me dit, t'as pas un spray pour pulvériser? Parce que là, il allait voir un ami ou même dans la voiture. Et du coup, j'ai pris un ancien spray cheveux L'Oréal. Je l'ai bien, bien, bien rincé et je lui ai donné ça. Et j'ai dit, bah, regarde sur AliExpress si on peut pas en acheter. Et tu m'offres ça. Mon Dieu. Non, mais c'est tellement utile, brumisateur. Non, mais ça c'est la vie. Mais que c'est bien pensé. T'es au top. On approche de la fin numéro 9. Pour que tes lèvres s'habillent de jolies couleurs faciles. Là, j'ai mis juste du gloss. Hein. Je vous dis bébé crème, un fard à paupières liquide, Beauty Bay et un mascara waterproof, un peu de blush. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh, ma marque préférée de make-up. Révolution. Révolution Pro. Lip Balm, Lip Color. Je ne lisais pas celle-là. Est-ce que c'est comme les NYX? Alors, vous savez, où il fallait mettre. Ça a fait le buzz sur TikTok, les réseaux, même sur YouTube. Où on met le rouge à lèvres sans transfert mat, mais qui assèche. Et après, on vient le glosser. C'est ça qui fait tenir et tout. Bon, je ne sais pas quelle technologie ils ont utilisée. Stay 24 hours. Il y a un nude et un prune. J'en ai pas des prunes en plus. C'est marrant, Laurie, parce que je me suis dit, tiens, dans ma collection de make-up, je n'ai pas de prunes. Ou de violet, etc. Et ben voilà. Ici, on a un nude rosé. Et la teinte s'appelle Tease. Il y a deux embouts. Un, l'embout avec le rouge à lèvres liquide. On va se faire un swatch. Oh, magnifique, c'est trop mes teintes. C'est très opaque, vous voyez? Et après, du coup, de l'autre côté, on a. C'est très classieux pour du Révolution. Ici, on a le baume à lèvres qu'on applique du coup par-dessus, je suppose. C'est Sananas, non, qui avait fait des doubles embouts comme ça aussi. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous galèrent toujours à avoir leur remboursement ou des produits hein, de Autrera Beauty. Moi, si cette affaire-là est réglée, j'espère pour vous. Ça, j'ai pas du tout, du tout. Et je suis très contente. Archi méga contente. Alors là, t'as fait une heureuse. Hein. Depuis tout à l'heure, tu fais une heureuse. Hein. Voilà. Vous voyez? C'est très, très, très joli. Surtout pour l'été, finalement. Ouais. Et encore une fois, on a le baume. Génial. Je connaissais pas ces produits Révolution. Quelle belle découverte. Nickel. Merci beaucoup, Laurie. Merci. T'as visé dans le mille. J'ai jamais osé mettre ce genre de teinte, mais j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Donc là, parfait. Wow. Tu me connais bien en fait, hein. Depuis tout à l'heure, je vois que ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Numéro 10, bien s'hydrater pour briller lors des festivités. Est-ce qu'on est penché depuis tout à l'heure? Ouais, je crois. Bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est une gourde? Oh, si c'est une gourde, je te bénis. Oh, non, mais trop bien. Laurie, t'as vraiment, vraiment, vraiment fait des folies. Je suis pas très douée avec Lilo et Stitch, je suis désolée, mais j'y ai pensé et toi, t'as pensé à une girafe. Donc, si vous me connaissez pas encore très très bien, c'est pas très très grave. En fait, je suis amoureuse des girafes. Je voue une adoration, je me sens girafe dans une vie antérieure. Et là. Est-ce que c'est juste pour le café, genre thermos, ou je peux m'en servir comme gourde? Mais t'as fait des folies et. Non, mais finir là-dessus. Je suis super émue, mais je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous
comprendrez pourquoi. C'est une girafe, quoi. Moi, il m'en faut peu, hein. Je pense qu'aussi, c'est tous les produits, tout ton cœur, toute ta générosité que tu as mis dans ce swap. Je m'y attendais pas. C'est tellement utile. Ce que je vous propose, c'est de donner en commentaire un surnom à cette nouvelle girafe qui va m'accompagner tous les jours. Ne vous foutez pas de ma gueule parce que je caresse la girafe. Elle a besoin d'amour et d'affection. Oui. Oui, 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 oui. Oh, bienvenue à la maison. Laurie, je vais inventer un mot. Que autre que merci. Du coup, quand on pense que c'est fini, en fait, c'est pas fini. J'avais franchement clôturé la vidéo et après, je me suis dit, oh, il y a les goodies. Donc déjà, il y a ce magnifique. Tu te fous de moi? Non, mais c'est bon, ça, c'est mon sac à main. En plus, j'en avais besoin d'un. Non, mais c'est bon, c'est mon sac à main. Je m'en fous d'avoir l'air ridicule à l'aéroport avec. Laurie, sérieux? Je suis trop heureuse. Mary Poppins, oh! Bah, j'en étais sûre que tu allais mettre des gourmandises. Hein. Gourmande que tu es, je sais. Oh, c'est excellent. Bah, c'est surtout que je vais aller le mettre au frigo. Hot chocolate spoon. C'est du chocolat à faire fondre, je pense, dans du lait. Et avec les chamallows. Place chocolate spoon in a cup of heated milk. Stay until chocolate is melted. Enjoy a cocoba hot chocolate at home. Alors ça, je vais vite le mettre au frigo. Je sais pas si je vais le boire là, mais peut-être après les vagues de chaleur. Oh, c'est génial. Merci. Merci. Et j'aime le chocolat, donc là, tu pouvais pas te gourer. Moi, je t'ai mis... Ah oui, moi, je t'ai mis aussi des gourmandises, mais ça, je crois que tout le monde aime. Et tu me diras ta couleur préférée. Oh, un grab bag. Est-ce que c'est des chips au plantain? Génial, j'ai trop envie de le manger à l'apéro, ça. Je connais pas. Très, très bon pour la santé, finalement. Génial. Bah oui, moi aussi, je t'en ai mis. Mais moi, je t'ai pas mis le sachet zippable. Ça se dit. Tu vois, on est en connexion dragibus. Du coup, quel est votre dragibus préféré? Moi, je crois que c'est les noirs. Et je me les dispute avec mon chéri. Dès qu'il joue à la PlayStation, il a le dos tourné. Je prends tous les noirs, je lui laisse tout le reste et il est dégoûté. Il me dit, mais t'as fait quoi? J'ai tout mangé. Et du coup, on a la pochette Aloha qui va avec le sac. Non, mais là, je suis refaite. Laurie, je te bénis. Oh, tu m'as mis tout plein de trucs. T'es une gueudin. Oui, j'essaie de parler 10 ans de moins que moi. Non, je suis pas sûre que tu parles comme ça en plus. J'adore les sucettes. Est-ce que ça colore la langue? Genre en mode schtroumpf. Ce serait rigolo. Yves Rocher, élixir jeunesse. Il est trop trop bien ce soin Yves Rocher. Soin jour, réparation anti-pollution. Nickel. J'adore ce soin. Vraiment. Vinosaur, sérum SOS. Ah, je ne l'ai pas testé celui-là, le sérum SOS. Vinosaur, oui, alors en long, en large et en travers. Sauf le sérum. Super. Thierry Mugler, Angel, ça a été longtemps, 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 longtemps. Combien de fois j'ai dit longtemps dans cette phrase? Mon parfum d'hiver. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est assez connu quand même. Hein. Ok, bon. On va passer à une conclusion, mais je sais même pas quoi dire. Est-ce que je vais réussir à dire quelque chose? That is the question. J'allais dire ma petite Laurie, mais pourquoi petite? Je trouve que c'est très con quand je dis merci parce que c'est pas assez fort. Alors, merci d'être qui tu es. Merci d'être aussi bienveillante, aussi généreuse avec ta communauté, à faire tout le temps des concours pour gâter ceux qui te suivent. En plus, dans ton but à toi, c'est pas de gagner des abonnés, c'est vraiment de la pure générosité. Tu es très touchante, tu as une expertise en skincare et en make-up pour ton jeune âge qui me bluffe. J'apprends énormément à travers tes vidéos. Je pense que tu t'en rends même pas compte en fait de ce que tu peux dégager à travers un écran. Tu es pétillante, tu es juste, droite. Je dirais qui se ressemble s'assemble. Et je te remercierai jamais assez d'avoir un jour cliqué non pas sur le bouton s'abonner sur ma chaîne, ça je m'en tape, d'avoir commencé à échanger avec moi. Et sur YouTube, on fait tellement de rencontres extraordinaires qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Des personnes extraordinaires au cœur immensément grand. Et c'est ce qu'est Laurie. Vous le voyez par rapport à sa générosité matérielle, de tout ce qu'elle a pu m'offrir. Tout est bien pensé, tout est fait avec amour, et un amour pur et sincère, vous voyez. Et c'est très rare, c'est extrêmement rare. Je vais adresser un message très personnel à Laurie parce qu'elle traverse une épreuve au moment où je
filme cette vidéo, donc 18 juin, très douloureuse, très 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 difficile, une perte immense dans sa vie. Ça reste sa vie privée, donc je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais toutes mes pensées vont à toi et à ta famille. Je suis sûre et certaine que vous toutes, mes Vainées et Vaineo, vous allez lui apporter tout le courage et la force nécessaire de traverser ce qu'elle endure en ce moment. Quelque chose qui me touche au plus haut point. Elle est forte, très très forte, du haut de ses 25 ans, 24-25 ans. Je te remercie d'être à mes côtés, dans les bons, dans les moins bons moments de ma vie. Merci Laurie d'avoir accepté ce projet, ce swap avec moi. Merci d'y avoir mis ton temps, ton cœur, ton argent, parce que là tu m'as extrêmement gâtée. J'espère que ce que moi je t'ai envoyé, ce que moi je t'ai préparé te plaira aussi. Je sais pas, je suis en méga 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 stress. C'était un très très joli projet à faire ensemble et encore merci. Merci, merci, merci. Donc n'oubliez pas d'aller soutenir Laurie comme vous savez si si bien le faire. Je compte sur vous. Vous allez voir, elle ne mord pas, hein. Au contraire, elle est d'une douceur incroyable. Et dans ce monde de brut, on a besoin de personnes comme Laurie. Allez faire votre propre opinion sur cette magnifique personne. Et vous savez, c'est bien hein, d'unboxer, de parler de marque, de box. Mais ce qui est encore plus important, c'est quand même de parler de l'humain. Hein. Des gens, des personnes qui sont derrière des caméras, et je ferai toujours passer l'humain avant les box, les produits. Voilà. Taratatouille, je vous dirai. Cette vidéo swap est maintenant terminée. J'espère du fond du cœur que ça vous aura plu. Ça change un petit peu du genre de contenu que je peux produire et publier sur la chaîne. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de partager une belle personne et vous faire découvrir toute sa générosité, dans toute sa splendeur, je dirais. N'hésitez pas à nous soutenir en shakant très très fort cette noix de coco spéciale été, je vous dirais. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait très très plaisir, ça m'aiderait énormément aussi. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Et sur ce, prenez grand grand soin de vous. Bon visionnage à la vidéo de Laurie. Thank you.